Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué comment j'ai automatisé une chaîne YouTube. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui n'ont pas vu. Et dans cette vidéo, je vous avais dit aussi qu'il y a un des services que j'utilisais qui a mis en place un captcha sur leur site. Et dans cette vidéo, eh ben, on va le bypasser. Et donc voici le site sur lequel on va essayer de passer automatiquement ce RecapTcha. Donc ce Recaptcha, qu'est-ce que c'est C'est une image. Euh, par exemple, je peux copier l'adresse de l'image pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez bien ici que j'ai une image. Et cette image, du coup, elle est générée, je pense que ça doit être à chaque actualisation de page à peu près. Là, vous voyez, à chaque fois, j'en ai des nouveaux. Et si j'ouvre l'image, j'en un nouvel onglet. On va voir que là aussi, j'ai accès au lien de l'image. Et d'ailleurs, l'autre image fonctionne toujours. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps reste en ligne chaque captcha. Mais le fait est qu'à chaque actualisation de page, un captcha est généré. Et il va falloir que je trouve un moyen de le lire. Et pour faire ça, on va utiliser une bibliothèque en Python qui s'appelle PiteSeract ou Pytesseract. je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et c'est une bibliothèque qui permet, en fait, où en lui passant une image, on peut lire du texte. Elle fait aussi beaucoup plus de choses que ça, mais euh, moi, c'est pour ça que j'en ai besoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai tout simplement fait ça. En fait, j'ai téléchargé euh, une des images. Ici, là, on voit, il y a un 3, 8, 9, 2, 3, 6, 5, 1, euh, par exemple. Je sais pas si c'est celle-là, oui c'est celle-là ici. Et je l'ouvre avec du coup Pythorac et euh, j'essaye de récupérer du coup le texte. Et je lui dis que je veux uniquement des numéros, c'est-à-dire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ça. Et là on va voir qu'il trouve 3 3 9 2 3 6 9 4. Et comme vous voyez, eh ben ça correspond pas du tout à ce que j'ai ici. Ce que je suppose, c'est que c'est que la, la bibliothèque Python elle a du mal peut-être avec le texte qui n'est pas aligné parce que là on, on veut lire en fait tous les nombres les uns les des deux autres mais ils sont pas vraiment sur la même ligne donc c'est pas vraiment du texte donc ce que je me suis dit c'est qu'on va essayer de le faire caractère par caractère donc j'ai utilisé un, un logiciel de dessin le fameux Paint.net que j'utilise beaucoup d'ailleurs j'ai un tuto euh, c'est une de mes vidéos les plus populaires de ma chaîne c'est un tuto sur Paint.net c'est assez incroyable euh, et donc en fait j'ai séparé tous les chiffres individuellement de cette image donc là par exemple j'ai mis un 3. Là, j'ai un 8, là, j'ai un 9, là, j'ai un 2, là, j'ai un 3. Après, j'ai aussi rajouté d'autres nombres que j'ai pris sur d'autres images. Donc, là, 6, 5, 1, 1, j'ai un autre 1, j'ai un autre 1 et j'ai un 4. Donc, dans ce dossier, j'ai des chiffres que j'ai récupérés à partir de différents CAPTCHA que j'ai générés sur le site Speech Hello. Donc, pour voir, en fait, si la bibliothèque Python est capable de le lire. Donc, là, vous voyez ici, j'ai un autre code que j'ai commenté qui permet, en fait, de parcourir tous les fichiers que j'ai mis dans ce petit dossier. NB qui est juste là et je vais le donner directement à la bibliothèque voir s'il est capable de le lire avec les mêmes paramètres c'est à dire que j'essaie de faire en sorte qu'il reconnaisse uniquement le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et si je lance ça suspense, roulement de tambour là on est quand même beaucoup plus proche vous allez voir ça donc là on a un 3, ça c'est bon on a un 8, ça c'est bon ensuite on a un 9, ça c'est bon 2, 3, 6, 5, 1, 1, 4 2, 3, hop là j'ai sauté le 3 6, 5, 1, 1, 1 et 4. Donc là vous pouvez remarquer du coup que la bibliothèque Python est capable de lire en fait les, les chiffres dans chacune de ces toutes petites images euh, qui ont été découpées à partir d'une plus grosse image. Donc je vais vous expliquer en fait comment est composée cette petite image. Donc là on voit y a des chiffres. Vous pouvez noter euh, d'ailleurs que c'est un JPEG, comme vous pouvez voir ici avec les, les petits pixels gris autour des, des pixels noirs. Ça c'est la compression JPEG qui permet de faire ça. Et en fait, chaque, euh, chaque chiffre il prend une largeur de 10 pixels. Donc là, vous voyez par exemple le 5 qui prend cette bande. Ce qui fait que si je me déplace de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai un autre chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai un autre chiffre. Et c'est comme ça en fait que moi j'ai découpé les nombres pour, euh, pour créer les petits fichiers que vous avez vus tout à l'heure. Et la difficulté que je vais avoir, c'est qu'en fait, ce groupe de chiffres ici, même s'ils sont tous collés les uns à côté des autres, le, chaque captcha que je génère n'est pas forcément espacé de la même façon à droite et à gauche qu'un autre captcha. Donc il va falloir en fait que j'écrive du code qui va devoir parcourir cette image pour aller chercher des pixels noirs pour comprendre à partir de quel moment un nombre commence. Par exemple, le 1, si on prend sa bande de 10 pixels, c'est ici. Et il va falloir que je me débrouille en fait que de comprendre que quand c'est un 1, eh bien, il faut que ma première bande commence 2 pixels avant. Donc il va falloir que je, qu je m'intéresse à la taille de chacun des nombres euh, avec la fonte qui est utilisée pour le captcha, et que je sois capable de déterminer quel est le premier nombre pour ensuite savoir à partir de quel endroit je débute. Et dès que j'ai ça, je serai capable de découper chacune de mes bandes de mon nombre. Donc l'objectif c'est ça, trouver comment découper automatiquement l'image pour récupérer tous les nombres. Bon bah ben voilà, dans cette vidéo je me suis contenté de vous expliquer le problème et comment en aller le résoudre. Dans la prochaine vidéo, on va découper l'image pour pouvoir ensuite créer les petits chiffres qu'ensuite on pourra passer à l'IA. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Je vous mettrai le lien vers la suite, du coup, quelque part sur l'écran quand elle sera sortie. En attendant qu'elle soit sortie, je vous mets d'autres vidéos sur l'écran si vous voulez les voir. Et voilà, allez à la prochaine.